Le livre animé, c'est vraiment une des spécificités du catalogue Milan. Qu'est-ce que ça veut dire, livre animé ? Si on reprend la définition du dictionnaire, animé, c'est donner du mouvement de la vie. C'est une définition que j'aime bien parce que je trouve qu'elle se rapporte à de multiples aspects de nos livres animés. Effectivement, dans le catalogue, on a toutes sortes de livres animés. Aussi bien des livres pop-up. Qu'est-ce que c'est des livres pop-up? Ce sont des livres avec des effets de papier qui se déplient quand l'enfant tourne les pages du livre. Mais ça peut être aussi plein d'autres procédés. Ça peut être tout simplement des rabats, des flaps, des volets que l'enfant soulève avec un effet de surprise. Ça peut être aussi des effets sonores, avec par exemple des puces sonores intégrées dans la couverture, comme pour le livre Bébête ou Splouf. On a aussi toute une collection qui s'appelle Ouvre l'œil, qui marche très bien effectivement avec ces effets de volets que l'enfant soulève. Nous, ce qu'on aime bien à travers tous nos livres animés, c'est effectivement de rendre l'enfant interactif. Cette interaction lui permet justement d'acquérir les connaissances de façon plus spontanée, plus vivante, plus facile. Le livre animé, c'est effectivement le souci pédagogique de rendre l'enfant acteur et de lui permettre à travers donc toutes ces animations, tous ces procédés qui sont très créatifs, de s'approprier la connaissance, de s'approprier le contenu du livre.